Salut tout le monde, c'est Claire de La Forêt Gourmande. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette simple et originale du jardin forêt, la mousse fermentée de noix. Les graines oléagineuses telles que les noix, les amandes, les noix de pécan, les autres fruits à coque du jardin forêt, mais aussi les annuelles telles que les graines de tournesol ou les graines de courge, se prête parfaitement à la confection de mousse fermentée à la fois nutritive et gourmande. Ici, nous sommes au pied de Juglans regia, le noyer de Grenoble, particulièrement répandu dans les anciennes haies bocagères de nos régions. En ce début d'automne, c'est le moment idéal pour collecter les noix qui tombent sur le sol. Dans le jardin forêt, on le collectera plus efficacement si le sol est exempt d'herbacées hautes. On choisira donc un couvre-sol comme la bugle rampante ou une herbacée haute dont le cycle de vie est terminé au moment de la collecte, comme l'ail des ours ou les primes verts à col. Un parterre de consous de naine peut aussi être implanté. Il sera alors tondu une fois l'an, quelques jours seulement avant la chute des noix. Une fois récoltées, les noix peuvent se consommer tout de suite ou être stockées pour une longue durée. Avant le stockage, on repère les noix abîmées ou habitées par les larves en leur faisant subir un test de flottaison. Ensuite, on les laisse sécher dans un endroit chaud avec de l'air en circulation, idéalement au déshydrateur solaire ou électrique. Pour une conservation optimale, on entame le séchage 48 heures au plus tard après la récolte et on laisse sécher avec un contenu de 12% en humidité, c'est-à-dire que le poids des noix sèches revient à 75% du poids des noix fraîches. On les conservera plus longtemps dans un endroit froid, sec et ventilé. Gare sinon au risque d'aflatoxine. On passe à la recette. Tout d'abord, on fait tremper les noix toute une nuit dans de l'eau non chlorée afin de les débarrasser des inhibiteurs d'enzymes et d'activer la germination et la biodisponibilité des nutriments. Ensuite, on les rince bien et on ne consomme pas l'eau du trempage qui contient encore tous les inhibiteurs d'enzymes. Utilisez un robot pour mixer les noix en ajoutant un petit peu de liquide afin d'obtenir une pâte. Si possible, utilisez du liquide déjà fermenté comme du kéfir ou du jus de légumes lactofermentés car ils contiennent beaucoup de bactéries lactiques qui vont favoriser la fermentation. À défaut, ajoutez du jus de citron ou du vinaigre car ils vont favoriser le pH propice à la fermentation et éviter le développement de pathogènes. Ajoutez vos épices préférées dans le mélange pendant ou après le mixage, sel, ail, fines herbes. Et transvasez le mélange dans un pot en verre comme celui-ci. Ne le remplissez pas complètement. Au fil des heures, le mélange va gonfler et devenir mousseux. Vous verrez apparaître des bulles d'air. Au bout de 24 heures, le mélange a bien gonflé. Quand on l'ouvre, ça sent bon. C'est signe que la fermentation a fonctionné. Vous pouvez déguster votre mousse fermentée telle du fromage à tartiner ou du houmous maison avec une tartine, de la salade ou en y trempant des bâtonnets de légumes. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.